Où est l'Esprit de Dieu et la liberté, nous croyons à ta présence et la manifestation de ton Esprit. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es tout puissant. Utilise ma personne de bénir chacun d'entre nous parce que nous avons besoin de toi. S'il te plaît, exauce nos prières. Accorde-nous, s'il te plaît, la délivrance, la guérison et la restauration. Tu es notre Dieu, Jésus. Et nous espérons, au nom de Jésus, que je prie. Amen. Amen. Jésus a donné mon aller. Jésus a donné. Oh, Jésus a donné mon aller. Jésus a donné. Oh, Jésus a donné mon aller. Jésus a donné. Ah, Jésus a donné mon aller. Jésus a donné. Jésus a donné mon aller. Jésus a donné. Oh, Jésus a donné nous aller, yo. Jésus a donné. Ah, Jésus a donné nous. Jésus a donné. Alléluia. Si à quelqu'un, Jésus revient bientôt. C'est vrai qu'étant à table avec cet ici, Jésus a donné. Il y a un de vous qui va me livrer. Jésus a donné. Celui qui mettra la main en même temps que moi. Jésus a donné. Dans le cœur, c'est lui qui va me livrer. Jésus a donné. Ses paroles, c'est accompli. Jésus a donné. Car c'est Jésus-là qui avait mis la main. Jésus a donné. Et même Judas qui a trahi Jésus. Jésus a donné. Oh, Jésus a donné à toi. Oh, Jésus a donné. Jésus a donné à nous aller. Jésus a donné. Jésus a donné nous aller. Jésus a donné. Jésus a donné nous. Jésus a donné. Vamos.
Mangeurs d'âme, les esprits doivent nous respecter. Amen. Parce que l'être humain est l'être sacré. Amen. Dis à quelqu'un, le sorcier doit te respecter. Le sorcier doit te respecter. Ou bien. Alléluia. Moi, le contraire à te respecter. Dis à quelqu'un, le sorcier doit te respecter. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Une petite exhortation et nous passons tout à l'heure la prière. Amen. Amen. Je vais vous expliquer. C'est pas mauvais de répéter les choses parce que la répétition est pédagogique. Vous êtes dans un ministère prophétique, c'est pas un ministère pastoral ou même un ministère d'un évangéliste. Bien que au travers de cette action délivrante, nous évangélisons. Mais c'est un ministère prophétique. Amen. Amen. Et que nous agissons selon l'esprit. Et nous sommes dans un domaine encore très délicat, qui est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Amen. Amen. Vous voyez, souvent les gens pensent que c'est leurs imaginations que nous devons respecter. Ça arrivait à Naaman. Naaman, lorsqu'il allait rencontrer le prophète Élisée, il dit, je pensais que... Amen. Amen. Il sortirait vers moi, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il me demande d'aller plonger dans le Jourdain 7 fois. Il s'est mis en colère et est parti. Quand vous fréquentez un ministère prophétique et vous n'êtes pas patient, vous perdez beaucoup de choses. Amonsaleo, amour. C'est derrière.
Amen. 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 Alléluia. Je disais tout à l'heure, vous êtes dans un ministère prophétique. Nous agissons selon l'Esprit de Dieu. Dans le domaine dans lequel nous travaillons, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et c'est encore très délicat. Amen. Imaginez-vous, quand vous venez ici, vous faites délivrer, tous vos sorciers là nous attaquent. Parce que vous ne savez pas. J'ai prié, ok, on prie parce que le monsieur est malade, mais prier parce que la personne est envoûtée ou elle est menacée par un sorcier, c'est très 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 délicat. Parce que le sorcier qui a déjà programmé sa victime, manger un cabri, manger truie, celui qui veut arracher l'animal, c'est celui-là le sorcier attaque. Vous savez que c'est pas facile. Quand je sens un danger, je m'engage pas. Parce que c'est pas question de prophète Krasso qui est fort. Non, c'est une question de... Il faut comprendre et marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que ceux qui comprennent pas, ils vont peut-être s'énerver. Mais moi, je fais pas plaisir aux gens. J'ai fini par comprendre que c'est Moïse. C'est des gens qui ont dit Moïse en erreur. Vous voyez, la Bible nous dit Moïse était l'homme le plus patient de la terre. N'est-ce pas? Il était l'homme le plus patient de la terre. Ils l'ont contraint à faire un miracle. Il a pas laissé la perdue Canaan. Moïse n'a pas de l'eau à boire, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et Moïse est obligé de frapper le rocher, lui, de parler au rocher. C'est à cause de cette désobéissance qu'il n'est pas rentré à Canaan. Bien qu'il y ait un miracle, mais le miracle, Dieu n'était pas dans le miracle. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà donné l'onction aux gens. Vous savez, je vous dis une chose. En ce qui concerne l'onction, Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. C'est ce qu'il dit toujours aux gens. Ce serait que Satan aujourd'hui, il a un pouvoir, il peut utiliser son pouvoir, faire ce qu'il a envie de faire. Parce que quand Dieu donne quelque chose, il a donné. Amen. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Dieu n'a pas, il a bien réfléchi pour donner une onction au prophète Krasso. C'est pas pour l'arracher. Amen. Donc Dieu avait donné l'onction à Moïse. Moïse devait rester dans l'obéissance. Or, Moïse voulait faire plaisir aux gens. Il a frappé le rocher. L'eau est sortie du rocher, ils ont bu. Mais Dieu dit, puisque tu n'as pas parlé au rocher, et tu as frappé le rocher, tu as obéi aux ordres, tu ne rentreras pas à Canaan. Or, Moïse a dit qu'il était l'homme le plus patient de la planète Terre. Pour la cause d'un miracle, il va perdre le ciel. Et je vous comprends, mais comprenez mon ministère. Si vous ne comprenez pas mon ministère, on risque de faire crash. Parce que je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Si vous voyez dans mon tiroir les invitations, c'est plein. Mais je demande qu'on consulte Dieu d'abord, avant de m'engager quelque part. Et moi, j'aime l'Afrique. Souvent, je serai toujours en deux avions en train de partir, prêcher partout, 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 partout. Amen. Mais je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et notre domaine dans lequel nous opérons est très, très dangereux. C'est dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Comme ce monsieur là, comme il s'est lancé une flèche, dans le bureau, il est venu là, il est saisi moi. Je l'ai regardé, il est saisi moi. Il est saisi sa sorcellerie. Je lui ai dit stop. Tu ne peux pas attaquer celui qui va te délivrer, un délivreur. Vous comprenez donc tous ceux qui viennent, et puis non seulement ça, quand vous venez, il faut que vos problèmes soient résolus. Vous n'êtes pas pour faire du tourisme, ou un voyage, un truc, un passage, bref, ici à Péniel. Amen. Non, vous venez pour que Dieu règle vos problèmes. Moi, en principe, aujourd'hui est mon jour de repos. J'étais là ce matin, mais j'étais en prière. Je devais continuer hier soir, mais j'étais fatigué. Or, dans la fatigue, on ne doit pas communiquer la fatigue à une personne. Parce que c'est ce qui est en toi que tu communiques. Jésus a dit, une force est sortie de moi. C'est ça que nous autres qui sommes habitués au domaine de l'esprit, qu'on sent que la chose ne va plus, on stoppe. Et on va se ressourcer dans la présence de Dieu,
pour récupérer l'onction. C'est ça que Jésus avait l'habitude d'aller prier sur la montagne toute nuit. C'est comme un portable, téléphone portable. Tu l'as fini de communiquer, ça se décharge. Amen. En fait, on dit, monsieur, amenez ça en charge. Le portable te dit, si tu insistes, monsieur, va charger mon courant, va me charger. Or, si c'est déchargé, vous allez dire, mais c'est l'Esprit de Dieu, mais oui, il habite dans un corps humain. Or, si c'est déchargé, c'est ce qui est pas bien que je te communique, et c'est pas bon. Amen. Pierre et Jean ont dit, ce qui nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. C'est ce qui est nous que nous communiquons la grâce de Dieu. Amen. C'est pour ça que je n'aimerais pas faire comme les autres. Non. Quand vous rencontrez l'homme de Dieu, il faut que les choses se décantent. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus, pour dire à Jésus, celui qui tu aimes, Jean, est malade. Jésus n'a pas réagi aussitôt. Ça crée tristesse dans la vie, dans le camp de la famille de Lazare plutôt. Lazare, tout le monde était triste. Parce qu'on s'attendait quelque chose de Jésus. Et du coup, Jésus ne réagit pas. Il reste bien face à cette situation. Tout le monde est confus ici. Parce que cette maladie, ils sont convaincus qu'il va mourir, il ne va pas s'en sortir. Or, la solution, la main de Jésus. Or, Jésus habitait chez eux. Amen. Et la même nuit, Jésus ne va pas, il ne se rend pas à Bethanie. Vous voyez comme la tristesse est encore plus grande. Il les abandonne. Selon la chair. Ça veut dire que Jésus nous a abandonnés dans nos difficultés. Il est resté combien de jours? 4 jours. Amen. Donc tout le monde était fâché, on l'attendait. On dit tout contre lui, un jour va passer ici. Comme il a laissé ses bagages ici, il va passer un jour. Mais ce qu'il pense, je pense, je lui dis ça, je lui dis deux mots. Amen. Amen. Alléluia. Or, Jésus est un homme d'esprit. Alléluia. Jésus est un homme qui marchait selon l'Esprit de Dieu. Alors, quand Jésus est allé à Bethanie, il y a une accusation sur lui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les sœurs ont dit à Jésus, Seigneur, tu avais été là, mon frère Lazare serait pas mort. Une accusation qui dit, ça peut être mort. Sur la réalité, il n'est pas mort. Puis Jésus a commencé à pleurer à cause de la foi. Jésus dit, mais tout qu'on fait, je suis là, je peux même régler le problème. Il dit, non, mais Lazare est mort, c'est pas la paix. Ils sont convaincus que tu ne peux pas. C'est vrai qu'on a vu des miracles, mais le monsieur est mort, il est enseveli, il est quelque part dans une tombe. C'est fini. Ça fait 4 jours. Ce sont des Jésus pleurs. C'est le plus petit verset de la Bible. Il a commencé à pleurer. Parce que bien qu'il soit avec Jésus, il n'avait pas la révélation de la personne de Jésus-Christ. Il ne savait pas qui était Jésus. Amen. C'est ça. Il comparait Jésus lui-même. Or, Jésus s'est laissé conduire par l'Esprit. Or, quand nous voyons le cheminement, après Bethanie, Jésus allait se présenter officiellement à Jérusalem. Amen. Parce que Jésus a fait le ministère caché. Il a fait 2 ans et demi de ministère caché. Et après, c'est rentré à Jérusalem parce qu'il était recherché. Il devait partir là-bas pour se présenter aux gens. Et c'est là-bas qu'il a attrapé pour le tuer. Or, si Jésus-Christ n'avait pas ressuscité une personne qui avait déjà fait 4 jours dans la tombe, comment les gens pourront croire lui à sa résurrection? Donc, tout pas que pose un prophète, amen, vous devez poséditer ça. Si vous êtes venu pour faire, vous savez, imposer la main aux gens, on peut le faire. Mon frère, tu es guéri, mon frère, tu es délivré, va. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce n'est pas ça qui vous intéresse. Vous avez besoin d'être délivré. C'est pour ça que soyez patient. C'est ce qu'il a dit aux gens. Soyez patient. Je ne rentre pas dans des histoires humaines ou ces trucs. Je peux même te donner un rendez-vous. Je suis un être humain. Je peux te donner un rendez-vous. C'est Dieu seul qui maîtrise le temps. Amen. Et puis, il peut y avoir des choses. C'est pour ça qu'il faut devoir prier. Parce que quand vous venez, c'est des combats et des combats. Nous sommes confrontés à des combats, des combats, des combats. Or, quand vous êtes pressé, c'est ça. Qu'on appelle Naaman. Naaman qui s'est rendu à. Où ça? Voir le prophète Élisée. Et dit, je pensais que. Quand Élisée a dit, bon d'accord, il a envoyé Géasi, il va. Dit à Naaman de plonger dans le Jourdain 7 fois. Il s'est mis en colère. Il dit, je pensais que. Il allait sortir, imposer les mains, mais il ne rencontre pas lui. C'est pas ce que je voulais entendre. Amen. Or, ce n'est pas ce que vous voulez,
que Dieu fera pour vous. Amen. Ce n'est pas votre imagination. Dieu, ce qu'il veut de vous, c'est votre délivrance. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est de comprendre. Or, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et on a même dit, la patience est un chemin d'or, n'est-ce pas? Oui. Amen. C'est un ministère de délivrance. Tu sais combien de fois, combien d'années tu as été lié? Combien d'années tu as été lié? Donc, il y a des combats. Je reçois la conviction d'être sur le terrain ou pas. Or, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si je ne suis pas convaincu de venir faire ta délivrance, je fais, j'ai une désobéissance. C'est ce qu'Abraham, c'est ce que Moïse a fait. Non. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Je ne suis pas convaincu d'être là 4 heures. Je ne suis pas convaincu d'être là 17 heures. Je m'engage. C'est un péché. C'est une désobéissance. Or, ce qui caractérise le ministère prophétique, c'est ça qu'on reçoit dans le cœur. Dieu dit, va-t'en. Je suis maintenant d'accord. Avant de sortir ma maison, je l'interroge. Je suis là, je l'interroge. Est-ce que je peux? Oui, parce que je ne dépends pas de moi. C'est ce qu'il disait aux gens, je ne suis plus comme les autres personnes, je suis un homme d'esprit. Amen. Ah oui. Donc ceux qui vivent avec moi doivent me comprendre. Alléluia. Oui, je ne suis pas comme les hommes ordinaires, je suis une autre personne. Qui ne vit plus selon sa manière de voir, qui est un esclave. Je suis un esclave de Dieu. Si on peut l'exprimer comme ça. Sur ce que par moi, partir dans les ministères, les gens veulent me faire plaisir. Et là, ça c'est dangereux. Amen. Écoutez-moi la parole de Dieu. Allons-y dans Jean. Vous allez bien comprendre. Jean le chapitre 2. Vous allez comprendre bien le Jean. Jean le chapitre 2. À partir du verset 1. L'évangile de Jean le chapitre 2. À partir du verset 1. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Comprenez très bien, mon heure. Amen. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure. Comprenez très bien la réponse qu'il donne à sa mère. Mon heure n'est pas encore venue. Vous savez qu'il y a une heure. Allons-y. Et sa mère dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Regardez un peu cette histoire de Jésus-Christ avec sa mère. On a vu Jésus-Christ, elle fait, c'est un mariage, bien sûr, un mariage. Il arrive avec sa maman, et puis du coup, on dit le vin a manqué. Or, Jésus n'avait pas encore fait de miracle. Amen. Jésus n'avait pas encore fait de miracle. Du coup, sa maman l'approche. Au lieu de dire aux gens, allez acheter le vin, parce qu'il n'y a plus de vin, elle approche son fils. Lui, il était invité. Il est venu assister au mariage. On dit le vin a manqué. Lui, il ne vend pas le vin. Amen. Ce n'est pas un vendeur de vin, il n'a pas un dépôt de vin. Mais ce n'est pas son libraire. Elle approche Jésus, il vous dit, mais il manque de vin. Qu'est-ce que Jésus vient voir ça? Il était un invité. Alléluia. On dit Amen. Or, elle n'avait jamais vu Jésus faire un miracle. Mais elle était convaincue que le problème, ce problème-là, c'est Jésus seul qui pouvait régler ça. Alléluia. Jésus seul. Or, Jésus, c'était sa mère. Sa mère. Biologie, c'est elle qui l'a engendrée. Jésus va répondre. On a l'impression de voir un Jésus, un enfant impoli. Parce qu'il ne dit plus, mère. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il dit, il ne veut plus que la chair entre dans son ministère. Il dit à sa vie, il dit, femme. C'est-à-dire que ce n'est plus ton domaine. À la maison, tu es mère. Mais si on sait le domaine d'esprit, tu es femme. Ce n'est pas à toi de dicter Dieu, de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Vous comprenez?
Ah oui. Tu es maire. Ok, à la maison, tu peux m'envoyer, père l'acheter qui manger. Manger crevettes, manger étoiles. Je peux aller acheter aubergine au marché. Je peux aller faire ton marché. Je peux aller puiser de l'eau. Tout ça. Mais tu rentres dans un domaine que toi-même, tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas ton domaine. Non, je ne fais pas plaisir. Il répondit, femme, cette fois-ci. Il donne la position de sa mère pour dire, tu es homme, femme, tu es, par toi tes êtres humains, c'est par toi de me dire ce que je dois faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que je consulte mon patron. Amen. Amen. Oui. Donc, sinon, ça l'aide, c'est sa mère. Il peut être là en train d'obéir. Comme c'est sa mère, il doit obéir. Non. Amen. Amen. Non. Ce n'est pas elle qui l'a appelé. C'est Dieu. Avant toute chose, il faut que Dieu lui dise, ok, vas-y. Or, quand on n'écoute pas la voix de Dieu, on peut dans un ministère, Dieu peut nous utiliser afin de faire des miracles. Mais quand on n'écoute pas la voix de l'Esprit, on risque de perdre beaucoup de choses. Parce qu'on a envie de faire plaisir. Il peut dire, maman, c'est vrai, j'ai compris. Ok, j'obéis. Il dit, femme. Il pose sa femme, il dit, femme. Quel rapport y a-t-il entre toi et moi, femme? Tu es femme. Mon heure n'est pas encore d'arriver. Amen. Or, la mère est convaincue que Jésus fera quelque chose. Amen. Et qu'est-ce qu'elle a dit la suite? Elle a dit quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Alléluia. Or, on n'avait jamais vu Jésus faire un miracle. Mais regardez l'aspect 1. Mon heure n'est pas encore arrivée. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que Jésus lui-même a marché selon l'Esprit. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas familiariser son ministère. C'est très dangereux. Arrivé à un moment donné, les gens cherchaient Jésus. Et Jésus dit, ma famille, ils ont commencé à vouloir. Et Jésus dit, non, ma famille, là, si vous voulez, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Or, quand l'heure de Jésus a sonné, il dit, prenez-moi les vases. Remplissez-moi les vases d'eau. Il a multiplié l'eau en vin. Il a transformé l'eau en vin. Il a tendu la voix de Dieu, l'orientation du Saint-Esprit. Et le miracle était parfait. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Nous sommes dans un ministère prophétique. On dit sorcier t'a attaqué. Sorcier t'a enfermé quelque part. J'ai un combat d'esprit qui se fait en celui qui te délivre et le monde est ténèbre. Est-ce que vous ne savez pas? Le jour où vous prenez un jour, vous faites asseoir, et puis Dieu vous ouvre les yeux, 5 minutes, vous allez comprendre beaucoup de choses. Que ce domaine-là, ce n'est pas amusement. Amen. Amen. Ce n'est pas un amusement. Tu es là, tu passes, mais les esprits te parlent. T'insultes, les esprits te parlent. Ils sont nerveux. Ils te parlent, ils t'agressent. Parce qu'il y a telle personne que tu ne dois pas délivrer. Ils te disent, ils peuvent te mettre et te donner des avertissements. Si tu le délivres, voyez ce que j'ai fait. Comme le diable, c'est un menteur. Et tu es obligé de fermer l'oreille à tout ça, puis tu le lis et tu vas délivrer sa victime. Satan, s'il la lâche, il ne lâche pas vite sa proie. Amen. Le diable, il ne lâche pas vite sa proie. C'est ce que vous devez savoir. C'est un ministère de délivrance. Ce n'est pas un ministère où on prend le temps pour enseigner les gens. Nous, délivrons les gens. C'est ce qu'il dit, nous allons à l'essentiel. C'est la délivrance. Tous ceux qui m'ont toujours suivi dans ce que je fais, on a eu gain de cause. Je m'engage, je ne fais pas parce que j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un. Non, ça ne m'intéresse pas de te faire plaisir. Je veux te faire sortir d'une situation parce que moi-même j'ai été victime. Amen. Vous n'êtes pas seul, c'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes à la fois. Imaginez-vous les esprits qui nous attaquent. Imaginez-vous. C'est notre spécialité, c'est d'attaquer la sorcellerie. Imaginez-vous, c'est ça. C'est ce que vous devez, quand vous venez ici, soyez homme spirituel, comprenez, et rentrez dans la spiritualité. Vous dites, le domaine est spirituel. C'est vrai qu'on a calculé les choses, on doit faire tel jour, nombre de jours, nombre de jours. Est-ce que vous savez à quel moment Dieu peut vous délivrer? C'est ça. Il y a des délivrants qui prennent 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il y a des délivrants qui prennent 1 mois. Il y a des délivrants qui prennent 2 mois. Il y a des délivrants qui prennent 3 mois. Il y a des familles, on est parti, on partait pour faire 1 semaine, on a fait 2 mois. Amen. Donc, beaucoup de patience. Si vous n'êtes pas patient, vous-même, vous allez penser que le prophète Rasoul n'a rien fait. Or, que moi, c'est pas moi qui fais le miracle, c'est Jésus qui fait le miracle. Moi, j'ai ma foi. Amen. Et c'est pour ça que vous devez être patient.
Vous avez vu Jésus? Elle dit à Jésus, le vin. Et puis Jésus dit, mon heure, femme. Femme, il ne faut pas rentrer dans ce domaine. Ce n'est pas à toi de me dire, on peut causer, mais en ce qui concerne élever vers un miracle, ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu. J'ai un patron. Alléluia. Or, quand le patron donne son côté, il y a un miracle. C'est parfait. Nous ne sommes pas l'auteur des miracles. Vous faites grâce, n'a jamais été l'auteur d'un miracle. C'est Dieu qui en est l'auteur. Amen. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple d'une dame qui cherchait à me voir. Elle m'a rencontré une fois. Elle a parlé de son problème. Je l'ai écouté. Elle est stérile. Déclarée stérile par la médecine. Les gens l'ont déclarée. Elle est stérile. C'est fini. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je dis, va. Je vais t'appeler. Mais c'est 3 mois après. Je dormais. J'ai vu un ange qui m'a dit, prends ton cahier. Appelle-moi telle femme. Après, je le miracle. Quand j'ai appelé la dame, elle ne croyait pas que j'allais la rappeler. Je l'ai appelée, elle est venue à Bidon. J'ai échangé avec elle. J'ai dit, Dieu veut faire ton miracle. Elle a commencé à sourire. Amen. Vous savez, quand on attend un miracle, on dit Amen. Ok. J'ai dit, tu ne seras plus stérile. Elle dit Amen. Or, j'ai dit, le Seigneur m'a orienté pour dire, la dame, prends ton bail, attache ton ventre. Fais comme si tu avais une grossesse, tu vas à la maison. Elle va regarder droit dans les yeux, elle dit, mais elle ne peut pas. Elle dit, elle ne peut pas. Que prophète, tu ne connais pas chez nous, dans nos quartiers. Je suis dans l'immeuble. C'est immeuble d'affirage.com. Le site là, c'est dans nos immeubles. Et puis on me voit en France. Non, ça je suis mort. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Elle a commencé à pleurer. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Attends, c'est une action prophétique. Avec beaucoup de difficultés. Vous voyez, pas moi la volonté de Dieu, parce que c'est quelque chose de facile à accepter. Et Jésus a dit dans le jardin, il dit, non pas ma volonté, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Si elle pouvait s'éloigner de moi. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça fait beaucoup de douleur. La sueur de Jésus s'est transformée en sang. Parce qu'il va affronter la croix. La volonté de Dieu, ce n'est pas trop facile à voir, à accepter. Difficile. Amen. Mais elle est la meilleure. On dit Amen. Amen. C'est ça qu'il faut être patient. Il faut chercher la volonté de Dieu. En tout cas, il faut chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis? Même dans le silence. Même quand j'ai un temps libre, tu dis quoi? Même dans le silence. C'est pour ça que quand vous devenez un homme spirituel, personne ne va vous comprendre. Vous allez toujours choquer les gens. Oui, parce que quand quelqu'un passe selon l'esprit, le monde ne peut pas l'accepter. Parce qu'il n'est plus une personne ordinaire, il devient un homme de l'esprit.